Bon. Eh bien, on est de retour sur Remnant. En compagnie du voyageur. Il était temps que ça s'arrête. Donc on va fouiller un petit peu. Juste histoire de pas perdre un item. C'est un boss, j'ai l'impression. Oh, bon, une map enflammée derrière. Bon, écoute. Hein. Il nous fait 3 biomes au total. Dans ce premier monde, c'est pas mal. En vrai, je m'attendais à pire. C'est un petit peu différente, j'aime bien. Ils sont très forts quand même. Ça. C'est assez bizarre la pendule qui est pendue comme ça, mais bon, pourquoi pas. Ça en fait des horloges. Ok. Ça c'est mignon ça. Je peux vous dire que c'est quoi expertise. C'est qu'on n'a pas mis de points en. Alors. Ouais. Allez. Hop. D'horloge, ok. On va voir à quoi ça sert cette chose, mais. C'est tout. Vitesse de réanimation, ça c'est vrai que ça fait tout là. Ok, donc je suis venu ici juste pour ça. Apparemment. Bah, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein.
plein de trucs. Alors, monter. Ah, intéressant, attends. Hop. Allez voir. C'est assez drôle parce que je vois qu'il y a plusieurs distincts. Oh. Attention parce que... Ok, c'est parti. L'ascenseur, ce sera juste une sorte de raccourci apparemment. Je dis pourquoi pas, allons-y hein. Tordu ça comme passage, mais pourquoi pas. Regardez dans les... Dans les caisses. Joli. Pourquoi il manque un petit engrenage apparemment. Faire fonctionner là. Voilà. Là, j'imagine qu'on va réactiver. Huh!
ventre cassé. Oh. Et bon, ça aille. Je pense que ça va changer l'ambiance. Que j'ai mis 10 ans à monter, ça c'est paradoxal, on va dire. Ouais, donc ouais, on a pour l'instant, je pense qu'on en a fini avec avec cette zone. Peut-être qu'après. Qu'est-ce? D'accord. Il retournera un peu plus tard. Radio. Très très bien. En vrai. Point de passage, on va avoir un peu la curiosité d'un homme. D'accord, on est encore retrait minuit. D'accord, ok. C'est ici. Ok. Un peu étrange d'ailleurs. Bon. Ah d'accord. Bonjour. Comme c'est intriguant, il s'avère que ce monde corrompu n'est pas encore dénué de surprises. Je vous salue alors. Et vous souhaite la bienvenue dans le royaume des Faé, ou en tout cas, ce qu'il en reste. Je suis Nimue, orfèvre, voyante, déesse des Faé et conseillère du vrai roi, ou je l'étais en tout cas. Mon don reste de voir ce qui ne peut être vu et de forger ce qui ne peut être forgé. Alors, être étrange, qu'est-ce qui vous amène devant moi? Mais c'est pas une vampire. C'est étrange en général. Comme vous, vous dites, vous avez un goût unique qui m'est parfaitement inconnu. Mais votre apparence, peut-être. Oui, cela me dit quelque chose. J'ai peut-être vu cette clémentine dans mes rêves et mes visions. Je l'ai vue dans un royaume très important,
rempli de portes et de possibilités. Toutefois, je ne le reconnais pas, ni ne puis-je trouver le chemin qui y mène. Pas ici, pas dans ces circonstances. Vous n'êtes pas la seule âme en quête de réponse. Il y en a une autre, un citoyen de ces royaumes jumelés. Et la réponse que je lui ai donnée est celle-là même que je vous donne. Vous êtes comme une proie aux yeux d'une créature sans pareil dans ce monde jumelé. La jette, si elle vous trouve, vous ne survivrez pas. À moins que vous la chassiez avant. Trouvez-la, être étrange. Apportez le cœur d'une de ses récentes victimes dans son royaume. Et éliminez-la avant qu'elle se mette en chasse. Je peux vous envoyer sur son terrain de chasse. Une déesse, être étrange. L'éternelle déesse des rêves, sanctifiée et adulée par tous les Faëls. Hélas, elle n'est plus ainsi. Lorsque notre monde fut corrompu, elle le fut aussi. Nous sommes perdus dans ce royaume balafré, tous autant que chercher son nid. C'est un endroit d'indicible infortune et de souffrance. Mais vous avez nécessairement dû le traverser, puisque vous portez déjà sa marque. Un avertissement toutefois. Sur ce terrain ne règne que chaos et discorde. Vous aurez bien plus à craindre que la créature elle-même. Assurez-vous que vos préparatifs soient adéquats. Ok. Ainsi soit-il. Au revoir, être étrange. Et oh, ça a carrément changé. À ma foi. Pour l'instant, on a un gros personne, donc on en profite pour quitter. On se regroupe. Ok, bon. Oh là là. Ça en bas. Bon. Oh, c'est fini. Ça, j'aime quand c'est destructible. Hein. C'est dommage qu'on peut pas tout détruire, hein, etc. Mais bon, ça demanderait trop de ressources clients. Et ça serait pas forcément agréable, hein, je pense. Étrangers. Allez.
C'est vraiment, vraiment agréable avec les barres, hein. Vraiment si... Bon bah, on va. Bah, ah mince. Ok, bon. Voilà, ça régale. Hein. Attends, on a une autre pierre. Oh. Un cochon vampire. Ma foi, pourquoi pas. Ok, je crois qu'il va falloir grimper, mais... Ma foi... J'ai bien envie d'aller voir les NPC là. Bizarrement, l'ambiance n'est pas pesant alors qu'elle est censée de l'être. C'est assez paradoxal, je dirais. Allô ? Oh !
rien à me dire. D'accord, des orphelins apparemment. C'est assez bizarre à la mort et la vie. Allez, ma foi. On y reviendra sûrement. Autant vous. Ça, j'en ai. D'or, tout ça, ça fait plaisir là. Oh, l'animation, bon, c'est vraiment dommage. Il y a toujours ce petit temps mort. Lâche pas maintenant. Come on.
bon. Continue. Oh, ça c'est cool. Hein. Alors, là on a une porte, et là on n'a pas été voir, on va aller voir. Quoi qu'on a... pas tout vu. Ouais, c'est comme ça. C'est parce que là on va passer sur le boss... le vrai boss quoi. Je dis ça, mais c'est encore une zone à explorer, j'en sais rien. Ça mène à fardeau du... joli. On a ça. Vous savez quoi, on va hop. Parce que j'ai envie de visiter le quartier en entier où on était avant. Et vu qu'on a le téléport, pas trop. Donc voilà, on en a fait tout ça là, et là on va aller par là. Allez, j'ai un truc.
Ah ça va c'est cool, on va directement à... portail. Et allez. Ok bon. On est de retour dans les égouts, pourquoi pas. Dria, ma femme, elle est... Dria, pourquoi? M'empêcher là. Alors là on a ça. Ok mais bon. J'aurais dû me douter, vraiment là c'était... C'est directement... signé, il y a un truc qui gratte droit devant. Sac quoi. Plastique là. Ah, attends. Alors je sais pas si les mains sont procédurales là. De A à Z. Hein. Et quand on charge la partie, la map elle est unique. J'ai entendu qu'il y avait de la procédurale en jeu, parce que chaque partie était différente, mais est-ce que c'est de là où on commence ou sur des maps ça a été... Mais c'est pas grave.
Mais en vrai, c'est vrai que ça m'intrigue un peu. Okay. Pourquoi ? Même les rats, ils se transforment en vampires. Ok. Bon, on est d'accord, il y aura encore un... Les voilà. Vraiment bien le cri d'Albro. Alors attends. Ah, c'est mort là. Oh!
Bon. Quel enfer. J'allais le dire. Quel enfer. On ferme quel enfer. Bon. Ah mais... Je l'ai échappé belle. Petit butin. Les intrus ne passent pas. Mon chargeur est vide. Bon. Passage secret. Bien. Et voilà. Et c'est pas le code là. Et du coup, il faut juste regarder les. Non, en fait. Je peux détruire, il y a un truc à détruire. J'ai pas trouvé le dernier, du coup, je les ai fait un petit peu à la voix. Sur 9 pour le dernier. Donc là, je vais même pas regarder ce que j'ai gagné. Pas de nouvelles là. Apparemment. Et sympa les petites énigmes comme ça. Voilà. On s'est dit, j'aime beaucoup. Vous êtes descendu là-dedans. L'avez-vous? C'est celui de Dria. Mais elle...
Elle n'était pas... Alors, elle est partie. Pour toujours. Je vous remercie. Je n'aurais pu le faire moi-même. Mais tenez, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Maintenant, je vous prie, je... Bon. Rien. Abandonné dans la grande salle. Étonnant, étonnant. Et les enfants, ils sont sages comme une image. Est-ce qu'il faut pas lui ramener tous les enfants? Ça, c'est la bonne question. Enfin, bref. Bien, vous savez quoi? On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures. Très rapidement.